خوتي خواتاتي اول مره كنت انتو زيسا دير مرحبا بكم معنا في حلقه 13 من البرنامج ديالكم ديتا ماروك بودكاست. في هذه الحلقه هذه عندنا لقاء مع الاخ سفيان اجانا دكتور اون ماشين لورين فور بابليك هيلت وكذلك ديتا ساينتست ايبيديميولوجيست. وجبنا هذه الحلقه باش تكلمنا على الكارير ديالو وتكلمنا على الدكتوراه ديالو وتكلمنا كذلك كيفاش ديتا ساينس كتعاون في البابليك هيلت وكيفاش انها تقد تعاوننا باش نقضيو على كورونا فيروس مثلا. دونك خوتي ما تنساوش انكم سبسكرايبوا عندنا في اليوتيوب تابعونا في سبوتيفاي اولا في ساوند كلاود ولا عندكم شي اقتراحات ولا شي تعليق صيفطوهم لنا في contact@datamaruk.com. يلا خوتي بلا ما نطول عليكم نخليكم مع سفيان اجانا. انجوي. اذا خوتي خواتاتي اول مره كنت ديتا اونتي ستادير كيحضر معنا الاخ سفيان اجانا مباشره من بوردو فرنسا. وجبنا هذه الحلقه هذه باش تكلمنا على القرايه ديالو وعلى الكارير ديالو في يعني في الدومين ديال داتا ساينس في البابليك هيلث كير وتكلمنا كذلك على كيفاش داتا ساينس ابلايد ليزيبيديمي وكذلك يتكلمنا على كيفاش عند الواحد يقد يتلونسا في هذا الدومين هذا. دونك خويا سفيان تفضل اولا قدم لينا راسك تكلمنا على القرايه ديالك وعلى البي اتش دي ديالك. السلام عليكم. ميرسي بوكو سي صالح بور لانفيتاسيون. Ça fait vraiment plaisir de parler justement de mon domaine, de ce que je fais, de la recherche radio dans le domaine de l'épidémiologie ou de data science, ça fait un mazama. Donc, Anaya, c'est M. Sofiane Ajana, donc, qui est à Marrakech, après, je suis à Casa, au collège ou au lycée. Ou à Kazanit, donc, j'ai eu mon bac, ou le bac, je suis en France. Voilà, pour faire médecine à la base, j'étais un grand fan de Dr House, Niptok, les séries de médecine. Ce qui c'est que toi, tu as de médecine, je suis en France. Voilà, c'était très très difficile, donc j'avais vraiment beaucoup travaillé. J'ai pris le bulletin de notes. ديال الباك لقيت راسي فهمتيني فوالا كان عندي مع المات هذا فهمتيني سكي فقلت راه نمشي في المات فوالا. دونك انا دايوغ جافي في ان باك سيونس اكس سا لو نون واقيلا تبدل دابا مبقاش سيونس اكس معرفتش كومون سا مارش انكور مانون في المغرب مي ان توكا موا جافي في سيونس اكس اي دونك ابخي مشيت لتولوز اي جافي في اون ليسونس دو ماتيماتيك. Au début un peu généraliste, donc j'ai fait mathématiques, informatique, physique, et puis au fur et à mesure je me suis spécialisé j'ai découvert les statistiques. Ouais. C'est le master, voilà, donc le master de statistiques ça m'a beaucoup plu. J'ai appris à le temps d'être un stage en épidémiologie. Donc l'épidémiologie, je n'ai rien. Après, j'ai l'air bien l'épidémiologie. La définition de la comme ça. On fait les choses dans l'ordre. Donc voilà, donc j'ai fait le stage là-dedans. Ouais, le stage vraiment, j'ai mis bzaf. J'ai mis bzaf parce que, voilà, je me suis dit, et les statistiques et l'épidémiologie de façon plus spécifique, c'était un domaine d'application. Il y a un domaine d'application, le stage là quand le CNRS, donc Purpoint, qui était une unité mixte de recherche, donc data stage là, et ça s'est super bien passé. Voilà, donc on a un thésar justement, un interne plutôt en médecine du coup, où quand il avait besoin de quelqu'un qui s'y connaisse ou lien de les statistiques vraiment, ben j'ai un nouveau fait le mémoire dialogue. Et donc, la collaboration était très fructueuse et on a fini par écrire un article d'ailleurs, tellement le travail était abouti. Donc, j'avais découvert le domaine de l'épidémiologie, et donc après, j'ai arrêté, donc après le master 1 en mathématiques, je me suis dit directement master 2 en épidémiologie. Voilà, donc moi, dans l'épidémiologie, ma kinshanaga a fait une épidémiologie, ça, trop de temps, tu vois. Ouais. Et donc, trop de temps, le master, on le traite avec des médecins, des pharmaciens, des dentistes, les makraos le mat, mais le bac. Ouais. Voilà, et du coup, je voulais voir, est-ce qu'en tant que mathématicien, est-ce que j'arriverais vraiment à m'adapter à le nouveau milieu, parce que je voulais vraiment acquérir. Avec le recul clinique
qu'il me fallait باش appliquer avec زعما une grande maîtrise les statistiques le domaine médical. Voilà, parce qu'après on peut très bien connaître les méthodes statistiques, mais si on n'a pas une connaissance au préalable dire le domaine auquel on veut l'appliquer, on ne saura pas bien faire le data engineering, le engineering, toutes les procédures, enfin, toutes les procédures qu'on est censé faire avant l'analyse des données. Maradish ne dira aussi bien que quelqu'un qui connaît le domaine. Tu vois, le domaine qui connaît, qui a le recul clinique, qui connaît comment fonctionne la recherche clinique. Oui, tout à Voilà, fait. donc pour faire court, j'ai fait avec le Master 2, ça s'est très bien passé. Je pense que d'ailleurs c'était la meilleure année de fac que j'ai jamais vécue. Enfin, franchement, et après j'ai fait un master, enfin j'ai fait un stage de Master 2, du coup, stage de fin d'études, les biostatistiques. Voilà, donc et c'est là-bas où j'ai commencé vraiment à manipuler des techniques de machine learning, les forêts aléatoires, le lasso, tout ça, mais appliqué au domaine de la recherche clinique. D'accord. Donc là, pareil aussi, ça s'est très bien passé. Ça a donné lieu à un autre article. Voilà. Et donc déjà, au bout d'un moment, du coup, c'est là d'un stage, on a un goal, je trouve, des BNIF M2, ou déjà, on a deux articles. Ouais. L'idée, déjà, voilà, un petit obé, voilà, après, il y a toujours le processus, c'est-à-dire qu'il y a l'article, la revue, les corrections, les révisions. Donc ça prend du temps. ولكن les articles étaient déjà écrits autrement avec le processus dit c'est bon on va les publier Ouais. ونقول tu sais quoi un rendez-vous doctorat voilà quand vraiment voilà je me suis dit que c'était le moment pour faire une thèse voilà. Après entre dire bref doctorat et ndir doctorat c'est deux choses différentes voilà donc j'ai commencé à chercher des sujets de thèse donc je cherche des sujets de thèse. Et voilà, puis du coup je postule, j'envoie des candidatures. C'était un peu trop tard pour passer par le concours de l'école doctorale. Voilà, après ça, c'est tout un processus pour faire un doctorat. Il y a plusieurs manières possibles de faire un doctorat. Et donc, au bout d'un moment, j'ai obtenu la chercheuse qui s'appelle Catherine Fayard. Vraiment, c'est détaillé. J'ai obtenu au Gatelier de Soufiane un profil direct. Gatelier, ton profil à l'AGPNI, ou à laquelle, Anna, j'ai pas de thèse à te proposer. Gatelier, Anna, je peux te proposer un travail, voilà, donc à temps plein, mais en tant que statisticien. Voilà, on a une goule là, écoute, ok, d'accord, ben, je viens, je commence à travailler avec toi en tant que statisticien, ou à laquelle, mon objectif, c'est de faire la recherche. Gatelier, pas de souci, Gatelier, là, de toute façon, tu seras dans un labo de recherche, donc tu seras entouré de chercheurs. Donc, quand ma rafqat lik sar dq alayhom qol lihom ودي راه كنقلب على شي دكتوراه واش est-ce que vous avez un truc à proposer? Voilà, on a dit là, ok, ça tombait bien. Voilà, donc ça c'était à Bordeaux. Donc moi les études, comme je dis, enfin j'avais fait ça à Toulouse. Donc après je suis passé de Toulouse à Bordeaux et j'ai beaucoup aimé avec le labo parce que vraiment j'étais en collaboration constante avec des médecins, des généticiens, des nutritionnistes, des gens vraiment de tous les domaines. Et c'est ça qui est bien, l'épidémiologie, c'est que vraiment, il y a beaucoup de collaborations qui se créent. Voilà, après, je sais pas si tu as remarqué, mais des fois, je parle de statistiques, d'épidémiologie. En fait, dans l'épidémie, tu as beaucoup de statistiques. C'est juste qu'il y a plusieurs façons d'arriver un résultat plausible en épidémiologie. Mais tiens, voilà, alors j'allais me battre. Là, juste, je décris vite fait le cursus et puis après, on peut parler plus en long et en travers. Et voilà, parler bien comme il faut de l'épidémiologie. D'accord, donc had l'expérience quand tu as dans le labo quand tu as من الدكتوراه Voilà, quand c'est le doctorat, exactement. Voilà, donc à la fin des 2 ans, Anna, je vais partir, je vais aller. Voilà, on a décroché le financement européen. D'accord. Donc, voilà, donc financement européen, en fait, c'était un consortium. Voilà, donc c'était un consortium. C'est quoi un consortium? C'est plusieurs équipes de recherche. Ils vont former un groupe. Et le groupe ADEC va répondre à des appels d'offres, ou plutôt des appels à projets. Et donc, l'appel à projet a été émis
par l'UE, par l'Union européenne. Et Kanougalo, donc ça s'inscrit un appel à projet qui s'appelle Horizon 2020, qui est très très connu. D'accord. Ougalo dit voilà qu'il cherche des gens qui veulent travailler sur la maladie de l'œil qui s'appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc la D'accord. DMLA. Donc voilà, et donc ils ont émis cet appel à projet. Ougalo, voilà, vous pouvez postuler pour cet appel à projet. Donc tu as plusieurs, donc au bout d'un moment, il y a plusieurs groupes donc d'équipes de recherche qui se sont formées pour répondre à cet appel à projet. Et donc dans un groupe, comme j'ai dit, qui forment donc un consortium, il y a plusieurs équipes, dont la nôtre. Voilà, et donc ils ont écrit un projet d'une quarantaine de pages, disant, voilà, même si ils avaient explicitement, là, qui fait ce rendez-vous, qui fait ce rendez-vous pour pouvoir répondre à l'appel à projet ADA, et donc essayer d'agir pour guérir à la maladie à l'île de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. D'accord. Donc je pense à le sujet de Kanawa, le sujet de la thèse في الدكتوراه. Exactement. Donc Exactement, il a voilà fait donc. tranquillement نتكلموا على ديك عامين اللي دوزتي في داك اللابو، يعني سيتي كوا لا ميسيون ديالك، شنو هي البروبليماتيك اللي خدمتي عليها مثلا كوم Donc ستاتيستيسيان؟ l'AMEIN avant de faire la thèse. Ouais. Voilà. Donc j'étais là-bas en tant que statisticien et du coup on travaillait sur plusieurs problématiques. Là par exemple si tu rentres dans PubMed, PubMed c'est là où il y a tous les articles, enfin plusieurs articles scientifiques en tout cas de partout dans le monde. Rentre PubMed, si tu tapes Soufiane Agen, rentre des sujets très divers. Voilà, ça veut dire que autant avec sur la nutrition pour savoir est-ce que suivre un régime méditerranéen permettait de réduire le risque de fragilité. Donc la fragilité, il y a une nas, mais par exemple, les activités de la vie quotidienne. Ouais. Par exemple, les courses dialogue, l'exercice physique, ou des fois même la dépendance. Mais voilà. Donc, Ouais. quand le sujet là, après, quoi comme sujet? J'avais aussi travaillé sur les prisons, l'obésité dans les prisons, et donc pour voir à l'âge pourquoi en prison, les femmes prennent plus de poids que les hommes. C'est une problématique d'épidémiologie, par exemple. Tu vois? Brinel Femou, elle lâche qui est radoxal. Et d'ailleurs, pour et le résultat, c'était très simple. Donc, avec des années statistiques, bien sûr, et avec. On a bien travaillé, on a bien arrangé les données, on a essayé de collaborer avec des gens des prisons d'ailleurs, enfin des gardes de prison. Enfin, et c'est pour ça que c'est bien l'épidémiologie, c'est que c'est vraiment beaucoup de collaboration. Et puis avec des cliniciens, avec des nutritionnistes. Et on s'est rendu compte que faire les prisons à dos, on s'intéresse, bon les prisons qui ont s'intéressé, quand la salle de musculation, une salle de gym. Je dis que la salle de gym, voilà, la prison bien sûr. Rajal Mazoulin à la IALAT et dit que la salle de gym quand même jette Rajal. Et donc c'est pour ça que Rajal, quand nous disons qu'il y a un chouléa qui est traîné, ou même si on fait Rajal la salle de gym, la IALAT elle pouvait pas y aller. Puisque les hommes passaient beaucoup de temps là-bas et qu'ils étaient prioritaires pour y aller. Donc c'était l'une des raisons principales pour laquelle les femmes prenaient plus de poids dans les prisons que les hommes. Tu vois, c'est vraiment des sujets très variés. Ça peut porter sur tous les sujets de santé publique. Voilà, donc la santé publique, de santé publique, c'est pas que les maladies, mais c'est aussi, par exemple, l'obésité, c'est aussi la démence, c'est aussi, enfin, c'est pas que des maladies dans le sens où ça fait qu'un tahmaré, ou c'est vraiment très, très, c'est au sens large. دونك اخي باغ اكزومبل هاد لي كونكلوزيون اللي خرجتو بهم، يعني اترافيغ كوا؟ واش كان يعني شي ستاتيستيكال مودلز ولا ماشين ليرنين مودلز، ولا كي سون Ouais, زعما لي donc زوتي كتستعملو في بوغ اريفي لهاد لي ريزولتا هادو؟ exactement. Donc ce sont des modèles statistiques, mais je pense pas qu'ils soient très connus par la communauté data science, enfin, en tout cas dire le machine learning, parce que ce sont des modèles qui vont chercher à expliquer et pas forcément à prédire. Même si les data science, souvent on est dans la prédiction.
Là, les réseaux de neurones, c'est pour prédire l'évolution d'une action, par exemple, au chatbot. Les réseaux de neurones, enfin, ça sert beaucoup à ça, les random forest pour la classification, par exemple. Mais ça reste toujours dans un cadre prédictif. Moi, souvent, j'assimile le machine learning à la prédiction. Ouais, Tu vois? exactement. Ouais. Alors que nous, on était plus dans l'explication. Et D'accord. il faut faire la différence parce que des modèles explicatifs, c'est pas pareil que des modèles prédictifs. Donc, les modèles explicatifs, on va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment en coulisses. Ça veut dire qu'on va essayer de comprendre quel est l'effet d'une variable sur l'outcome, par exemple. Alors qu'en Ouais. prédiction, on va juste vouloir bien prédire l'outcome sans forcément bien comprendre. Ouais. Que je comprends ce qui se passe dans un réseau de neurones. Il va dire oui, Kenin les poids, ok, d'accord. Est-ce que tu comprends vraiment quel est l'effet de la variable A sur ta variable d'intérêt principal? Je pense pas que tu puisses vraiment comprendre ça. D'accord. Bon, d'abord, je pense récemment au l'état de la direction de l'interpretable machine learning, donc Radin Fer. Exactement. Parce qu'ils se Côté. sont rendus compte qu'il fallait commencer à comprendre. Oui, Et exactement. que on peut pas dire à un patient, bon ben Ouais. vous êtes à haut risque d'avoir un cancer dans 6 mois, ou venir avec le cas de l'âge, ah, l'algorithme, tu es à haut risque. Ouais, d'accord. Tu Donc, je pense un exemple de les modèles Hidden Markov Models, Gaussian Processes, non? C'est ça ou là? Il y a ça, mais moi j'ai beaucoup travaillé sur les modèles mixtes. D'accord. Voilà, linear mixed models, generalized linear mixed models. Donc ce sont des modèles qui vont prendre en compte la variabilité inter-individu dans le calcul de la covariance. Mais bon, voilà, donc D'accord. en fait, donc ce sont des modèles, par exemple, où, si je veux faire simple, dans les modèles explicatifs, il y a la notion de la p-value. Je ne sais pas, wesh, tu es familier avec cette notion-là ou là-là. La Ouais. notion de p-value, donc c'est la probabilité que le résultat observé soit dû au hasard. Donc cette Ouais. notion-là, machine learning. Parce que machine learning, on est plus sur de la prédiction. On n'essaie pas forcément de voir si un facteur de risque a un effet significatif sur la variable d'intérêt principal. Exactement. Ouais. Voilà, c'est pareil que les intervalles de confiance, tout ça. Ouais, Donc, exactement. D'accord. Donc après, je pense après amène dans le labo, dit-il la thèse d'elle comme PhD student. Donc tout le PhD d'elle que je n'ai le sujet voilà, donc l'expérience voilà. de le PhD. Alors, déjà, je vais commencer par le PhD et dire que, en vraiment, je conseille à tout le monde de faire un doctorat si la personne peut faire un doctorat. Il y a un doctorat. Parce que beaucoup de gens qui disent le master ou la licence qui Ok, ou les femmes qui prêchent de mettre l'esprit de l'étudiant. Ou bien, il y a des gens qui savent que faire une thèse, c'est pas comme si l'on fait, ou bien, des gens qui disent le prof, ou traite, ou des gens qui disent là. Il y a des gens qui savent que même si tu as dit que tu as un doctorat, tu as dit que tu as un doctorat. Voilà, tu as un doctorat, 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 ou Oui, exact. Katkaram, voilà, il faut continuer à s'informer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. On a vraiment, Niken ce doctorant, Katkamchu, déjà, Katkamchu le doctorat. Vraiment, il n'y a aucune notion sur le doctorat, mais le collège, le lycée, Katkamchu, des stages de découverte, des labos de recherche, alors que y a un stage de boost. Justement, des collégiens qui sont venus au rythme de la bouquille, au rythme de manière des présentations pour les sensibiliser. Bon, personnellement, en tout cas, j'aime pas généraliser, mais en tout cas, le Maghreb, en tant que voilà, et je parle que pour moi-même, je n'ai jamais eu écho de telles initiatives concernant l'ouverture au monde de la recherche académique.
Donc déjà quand t'es doctorant, كتمشي للبيرو بعدا، ولا مكتمشيش للانفي ولا تمشي تقرا، كتمشي للبيرو pour faire des recherches، donc pour faire la revue de la littérature, voir ce qui a été fait dans ton domaine et voir donc ce que tu peux toi apporter à ce domaine-là. À côté d'ailleurs, moi j'encourage beaucoup les gens qui veulent se lancer là-dedans à enseigner. Voilà, année vraiment j'ai beaucoup appris en enseignant. Voilà, on me proposait des sujets de thèse, c'est goulia, enfin des sujets à enseigner par exemple, enfin des modules ou là des thématiques. C'est goulia, de la thématique. On a souvent, je choisissais les thématiques, les makinch fahmhom bzaf. Parce que je suis convaincu que la meilleure façon d'apprendre est d'enseigner. Ça c'est sûr. Parce que qu'est-ce qu'on barrait, tu fais un ou c'est ce que tu parles, non seulement parce que tu fais mal ou tu fais même bien, mais parce qu'il faut que tu sois capable de la transmettre. Et ça, c'est un autre délire, ça c'est autre chose. Voilà, donc vraiment, voilà, donc ça c'est pour fermer la parenthèse sur voilà, donc le doctorat. Et moi d'ailleurs, moi j'étais financé pendant mon doctorat, souvent en France, en tout cas quand tu fais une thèse scientifique, tu es financé. Parce que sinon, l'école doctorale, on peut faire la thèse. Voilà. Après, il y a des exceptions. J'ai fait les thèses de la littérature. Ou là, par exemple, j'avais une collègue à moi qui a fait une thèse dans l'histoire de la danse. Voilà, donc ça, c'est un métier, enfin, c'est un domaine très respectable. Et ce qu'elle a fait, c'était très bien. Mais elle n'a pas trouvé de financement. Et je peux comprendre. Même si il y a peu de financement, souvent, fait des domaines. Et voilà. Anaïa, en tout cas, j'ai été financé par un consortium européen, voilà donc l'appel à projet de l'UE auquel mon équipe de recherche avait répondu. Donc, on nous a donné 6 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons. Donc, à des 6 millions d'euros, donc ils ont servi à financer ma thèse, mais aussi à financer tous les travaux qu'il y avait à côté, donc toutes les analyses en laboratoire pour payer tous les gens, enfin voilà. Donc, si nous avons vraiment fait le travail, on a pris un hasard, il y a des 6 millions, c'est quand même là. Et l'objectif, voilà, donc c'était de s'attaquer à ce problème de la maladie qui s'appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, à de la maladie, je n'ai rien. De la maladie, quand tu l'as, donc il y a des gens qui ont de la maladie, ils ont 55 ans ou plus. Voilà, donc tu deviens à risque de cette maladie-là à partir de 55 ans. Et à de la maladie, une fois que tu l'as, tu commences à avoir un point noir au centre de la vision. Une tache noire. Ouais, la tache noire, elle dit, voilà, il perd la vision. Et le problème, c'est qu'il n'existe aucun traitement. Vraiment pas aucun traitement, je dis vraiment aucun traitement efficace pour guérir de la maladie. Ça veut dire que même quand je suis chez un ophtalmologiste, il me dit que ça fait rac. Il me dit qu'il y a des trucs, qu'il y a des injections par exemple, qui te l'offrent l'œil en plus, pour ralentir l'évolution de la maladie et la stabiliser. Et encore, il me dit des fois ça peut évoluer vers des formes plus sévères quand tu fais ça. Donc vraiment, mais qu'est-ce que je dois? Voilà, on peut la ralentir, on peut la stabiliser. Mais on peut pas dire à quelqu'un qu'il est guéri et qu'il n'aura plus jamais la maladie. Ça, c'est sûr que non. Et donc, à défaut de guérir, voilà, on va se lancer dans la prévention plutôt. Donc, quand on ne peut pas guérir, on va essayer de prévenir l'apparition de la maladie. D'où les modèles de prédiction. Et donc, année, ce que j'ai fait pour des modèles de prédiction, donc voilà, c'était une canot plusieurs. Donc, Zef et les équipes à travers toute l'Europe, les canaux, le consortium Diana, donc, ils ont tous mis leurs données en commun. Donc, on a eu une grande partie de travail pour l'homogénéisation des bases de données à nous. Voilà, parce que j'étais le data scientist, mais aussi épidémiologiste du consortium Adam. Et donc, vraiment, c'était un travail d'équipe et ça s'est super bien passé. Et puis voilà, donc on avait la base de données et puis après, il fallait trouver donc la bonne méthode qui va donner les meilleurs résultats.
Et c'est là où on se retrouve confronté à le théorème qui s'appelle No Free Lunch Theorem. Voilà, donc pas de déjeuner gratuit. Donc ça, Oui. c'est à Arthur. Ah ouais, عرفتو. يعني كاين شي الوحدة. الغوريثم الايفيكاس اللي كاع لي بروبليماتيك. اكزاكتومون. سينون يكون راه سالينا شحال هادي. وي وي سينون دونك فهمتيني. دونك غازي قولي. من هاد لو بوان هذا زعما تكلمنا على شنو هما لي ميثود اللي جربتي وشنو هما اللي كانوا بيرفورمون وكيفاش كان لو تيب ديال الداتا، واش دي زيماج واش دي تابولر داتا ولا كيفاش. Okay. Donc, ce qu'on a fait, c'est que il fallait qu'on parle plusieurs algorithmes, mais des algorithmes qui prennent en compte la structure des données que nous avons. Parce que chaque base de données a une structure différente. Et donc, Hanaya, il s'est avéré que nous avions des données, donc une partie des données pouvait être catégorisée en groupe. Donc, on pouvait mettre les données en groupe de données. Et donc, pour mettre les données en groupe de données, il fallait prendre cette notion en groupe de groupe dans le modèle. Et donc, il y avait des modèles qui faisaient ça. Ce sont des modèles donc, qui s'appellent, enfin, qui sont issus de la PLS. Donc, PLS, c'est pour Partial Least Squares. Donc, Partial Least Squares, c'est l'ACP. Donc, l'ACP, couche carré l'ACP. Une méthode de réduction de la dimension. Sauf que la PLS, la différence, c'est que la PLS, c'est une méthode de réduction de la dimension, mais supervisée. Voilà, donc ça veut dire qu'on va essayer de résumer l'information que nous avons dans notre base de données pour bien sûr donc réduire la dimension, mais tout en tenant compte de l'information contenue dans notre outcome, donc le Y, la variable à prédire. Ok, et donc c'est un problème. Voilà, donc un algorithme supervisé, et nous en plus on voulait faire de la sélection de variables pour vraiment trouver les prédicteurs, donc les plus associés au risque de survenue de la DMLA. Voilà, parce que l'objectif principal, et ça j'ai oublié de le dire, c'était de prédire le risque de survenue de la DMLA dans le temps, donc dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et pour faire ça, on utilise des modèles de survie. Et d'ailleurs, j'étais étonné que les modèles de survie à ADO, ils étaient très très mal connus par la communauté de data scientists et des gens qui travaillent sur machine learning. Donc les modèles de survie, ce sont des modèles qui vont permettre de modéliser le risque de progression vers une maladie, par exemple. Là, qui vont essayer de modéliser, voilà, par exemple, quel est le risque que cette action chute dans 10 jours, par exemple, enfin, si je l'applique à la finance. Mais dans la santé, Anna, je m'étais vraiment focalisé sur le risque de survenue de la DMLA. Voilà, comme ça, l'end web et had mais peut-être juste avant de parler de ça, donc juste par rapport au modèle. Après, je vais parler de comment ces modèles vont être utilisés plus tard. Voilà, donc j'ai utilisé les modèles Hadoop, donc basés sur Partial Least Squares. J'ai aussi utilisé des forêts aléatoires, donc les forêts aléatoires que tout le monde connaît, donc Random Forest. Et j'ai aussi utilisé la méthode qui s'appelle Illness Death Models. Donc, Illness Death Models, c'est une méthode qui permet de prendre en compte la censure par intervalle. Donc, la censure par intervalle, c'est quoi? C'est que supposons, par exemple, chez Wahed, qui est chez l'hôpital. Voilà, bah, chez Chouf, tu vas bien l'aider. Donc, voilà, ou Raimichi, par exemple, tous les 6 mois. Ok? Donc, avant chef les 6 mois de l'oula, ma alhamdoulilah, les 6 mois de tienne, les 6 mois de tienne, ou embed, par exemple, et donc, on ne sait pas où est-ce que Sid a développé la maladie entre sa dernière visite à laquelle il était sain et sa date de décès. Parce qu'il y a des développeurs. Parce que ma redonnée belle ou fait qu'un rassure urgent, quand c'est tout fin. Voilà, donc la censure par intervalle, c'est que on va mettre en place des modèles qui vont intégrer sur la probabilité de survenue ou d'apparition de la maladie pendant donc les 6 mois pendant lesquels on n'a pas vu le patient. Voilà, donc voilà, tu vois, et donc ça permet de mieux prendre en compte le biais de la censure par intervalle. Et donc d'avoir des prédictions plus précises et plus réalistes.
plus et qui reflète mieux qui reflète mieux la réalité. Voilà, donc ça c'était les modèles utilisés. Après, donc alhamdoulilah, à la fin j'ai réussi, enfin j'ai réussi, nous avons réussi parce que c'était vraiment un travail d'équipe à mettre en place un modèle de prédiction qui avait donc une précision de l'ordre de 92% enfin, à 5 ans et de 91% à 10 et à 15 ans. Donc ça veut dire que, et par précision, je parle de l'AUC, donc l'aire sous la courbe Rock. Ça, c'est voilà, c'est une métrique pour mesurer la performance prédictive d'un modèle. Et donc voilà, donc c'est un modèle qui arrive à très bien discriminer les gens qui vont être les plus à risque parmi les gens qui vont être les moins à risque d'avoir la maladie dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Okay? Et après, la recherche, souvent, ça s'arrête là. Femtine, voilà, le wahed qui a le modèle dialo, il a bien galéré, femtine, parce que Dima, hawa le modèle, hawa, il a bugué, ha, le paramètre, la dame, kench mzien, ha, la femme de ménage d'elle sous le PC de cette femme, femtine, qui fait D'accord. vraiment qu'il y a plusieurs péripéties, mais vraiment, c'est une très très belle aventure à de la thèse. Mais donc, Hanaya, maintenant, on va pas s'arrêter là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rendre le modèle accessible aux personnes les mhtajino. Voilà ça. Et comment on peut faire pour rendre un modèle accessible? On l'a mis sur un site internet. Et donc, du site internet, vous pouvez y aller. Tout le monde peut y aller. Donc, c'est macutest.com. Donc, macu, test, comme un test.com. Donc, on trouve là deux sites là-dedans. Et vous allez trouver. Ouais, donc c'est un site qui a été fait pour les personnes âgées. Parce que, comme j'ai dit, ce sont les personnes qui ont 55 ans et plus qui sont les plus à risque d'avoir de la maladie oculaire en particulier. Et donc, que site à la donc tu as un concentré d'informations qui a été fourni non seulement par notre équipe, mais aussi par toutes les autres équipes. Ce sont des équipes pluridisciplinaires. Voilà, donc les généticiens, la partie génétique, les ophtalmos, la partie phénotype, à la fin, vraiment, domaine dialogue. Et parce on s'est rendu compte que la maladie, il y avait plusieurs facteurs qui pouvaient la causer. Donc il y avait des facteurs génétiques. Il a les parents directs ou les arrières. Ou dans les grands-parents, dans les arrière-grands-parents, un domaine de la maladie a dit, donc tu seras plus à risque de l'avoir. Il y a les facteurs nutritionnels, donc le régime, enfin, mais on s'est rendu compte que suivre un régime méditerranéen, donc ça veut dire un régime, basé sur ou c'est un régime où il n'y a pas beaucoup de lait, pas beaucoup de viande. Voilà, donc c'est un régime vraiment méditerranéen, comme son nom l'indique. Voilà, que les gens qui suivent ce régime-là, le régime maintenant quand tu le suis, ils baissent ton risque d'avoir la maladie dans quelques années. Et puis après, il y avait aussi, donc j'ai dit, la partie génétique, la partie mode de vie. Voilà, par exemple, on sait tous qu'il faut bien manger, qu'il faut pas fumer, qu'il faut faire de l'exercice physique, qu'il faut sortir un peu de temps en temps pour prendre un peu le soleil. Et quoi d'autre? Et la pression artérielle, tout ça. Voilà, enfin, voilà. Il y a vraiment plusieurs paramètres. Mais on a essayé de mettre en place un modèle interprétable. Voilà. Et c'était ça, en fait, la plus grande difficulté. Parce que dans le domaine médical, il faut que le modèle soit interprétable. Parce qu'il faut que le clinicien, donc ici l'ophtalmologiste en l'occurrence, fasse qu'on cadre le patient, à l'âge de patient adam. Il sera à risque, à grand risque d'avoir la maladie dans 5 ans, par exemple. Voilà, donc le modèle ADA qui m'a guidé, il est dans le site internet macutest.com. Tout le monde peut y aller. Tout le monde peut essayer de simuler sans risque d'avoir la DMLA. Là, il va y avoir, on a mis deux versions. Donc, une version un peu juste de démonstration. On a laissé juste quatre paramètres, lire Dronas et la Gouvéon, et on a mis tout le reste des paramètres, on les a mis à la moyenne.
Mais on a laissé les quatre les plus importantes, on les a laissées, je crois, dans les chauffe-eau que quelqu'un, par exemple, qui a des mauvais gènes, ben, il va être plus à risque d'avoir la maladie que quelqu'un qui a des gènes protecteurs, par exemple. Et que quelqu'un qui va manger des burgers au McDonald's, Kulanhar, ou Atta al Coca ou Fanid, alors il sera plus à risque que quelqu'un qui a Kulzama, Fmtin, et Makadi al-Dar. Voilà, Fmtin, gars, je n'en ai rien, non. فهمتي شحال من حاجه حنا راه عارفين، عارفين بلي راه ما خاصناش نمشيو للماكدو، عارفين بلي راه واحد خاصه ينقص من الليدام، خاصه ينقص من الملحه، خاصه ينقص من السكر، كاع هذا راه عارفين. اي دايوغ هذا الشيء هذا سكو جو دي سو سون دي ميساج دو سونتي بوبليك. فوالا سا فو دير باغ اكزومبل مونجي 5 فري ليغوم باغ جور، سي ان ميساج دو سونتي بوبليك. اي دونك سي ان ايتود ايبيديميولوجيك كي ا بيرمي داريفي ا ان تيل ميساج باغ اكزومبل. فوالا سا سي بور فا دو ليان افيك ايبيديميولوجي. D'accord, c'est intéressant. Donc, après, donc, ملي كملتي من هاد لا من يعني من البي اتش دي ديالك، واش ستيل اون اكسبيريونس اون ستارت اب ولا سيتي كوا يعني ذا نيكست ستيب ابخي Ouais. ديالك؟ Donc le projet, j'avais vraiment pensé à un truc. Voilà, parce que avec le site internet, voilà, donc c'est un site internet que nous, après, Brena, je connais Brena et le site internet, Brena et les ophtalmologistes, par exemple. À l'âge, d'abord, j'avais vraiment beaucoup collaboré avec les ophtalmos. Et je connais chez Gouina, on avait une cinquantaine de consultations par demi-journée. Donc imagine combien de temps ils vont passer avec les patients. Voilà, فهمتيني علاش حيت انت كدوز 10 وباقي 40 تابعينك. Voilà, donc واحد الوقت حتى الواحد ما كاين فهمتيني وماشي كاع كلهم هاد لي باسيون هادو ils ont besoin de voir l'ophtalmologiste. كاين اللي جاي حيت مخلوع فهمتيني ناض الصباح لقى عينيه مشى قال صافي غنمشي نشوف الاوفتالمو فهمتيني كل دابا واش قال لي راسو هنا في فرنسا كان هذا السيستم ديال زعما فوالا زعما اجي و تي بخون رونديفو كتمشي للوفتالمولوجي فهمتيني هو كيشوف اش بيك وديك الساعه تيقول لك اش كاين. ولكن دابا حنايا اون فا سو كونسونتري بلوس سور لي انديفيدو كي سون ا ريسك ديال هاد لا مالادي. دونك سوبوزون كو ان اوفتالمولوجيست فوالا اي فا سو قال هاد الصباح هذا انايا جو نو في فوار كو لي باسيون سوفرون دو دي ام ال ا ou là qui sont à risque de DMLA plutôt. D'accord? Mais il y a des patients à nous, qui ont des patients à haut risque, qui ont des patients à risque faible. Ou est-ce que l'ophtalmologiste m'a fait le choix? Comme si il y a des patients à nous, j'ai fait le choix. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que l'ophtalmologiste utilise le modèle de prédiction. Alors, je peux chez Google. Bon, donc, il y a le patient et que l'ophtalmo fasse tourner le modèle de prédiction donc sur les données de patients là-dedans. Oui, Goulet, donc bon, ben vous êtes à haut risque d'avoir la DMLA dans 5 ans. Donc, puisque tu es à haut risque, rja dans un mois. Comme si, je ne prends pas de bac, mizien. Oui, là, D'accord, je ouais. suis Wahed et qui est à faible risque. Goulet, demain, ça va, voilà, tout va bien. Donc, c'est un éclat d'art. Ou rja, je ne sais pas si tu es à haut risque. Et donc, فاش غادي يعاون هادشي غادي يعاون الاوفتالمولوجيست بور باسي بلوس دو تون افيك لي جون افيك كي يفو باسي بلوس دو تون فهمتيني اي فيغ سكون ابيل دو لا ميديسين بيرسوناليزي. دونك سي فريمون سا لو بوت اولتيم ديال دو موديل سي فيغ لا ميديسين بيرسوناليزي دون لو سونس او اون فو دوني دي بون ريكومونداسيون او بون باسيون اي او بون مومون اي هاد لو بون مومون هاد لو بون مومون سي تري تري امبورطون باسكو شحال من واحد كيتكتشف فيه شي مرض ولكن كيكون ديجا صافي وصل لواحد الستاد اللي ما يمكنش ارجع منه فهمتني ولا صعيب ارجع منه. اي دونك كنوليو في مشاكل اخرى ديك الساعه تو دونك حنا فريمون هاد الموديل هذا سي بوركوا اون فو اتر دون لا بريفونسيون كوم سا اون فو اجير اون امون دو لاباريسيون دو لا مالادي. بغينا حنايا الواحد قبل كاع ما يطيح مريض نقول له اودي نتايا غطيح مريض دون 5 ans اي بيس داكور غطيح مريض دون 5 ans. دونك خاصنا نبقاو نشوفوك بلوس ريغوليارمون باش ما نخليوكش تطيح مريض ولا او موان كون غوتارد لو فيت كو غاتطيح مريض من هاد لا مالادي هادي. اي هاد الموديل هذا كو جي ديفلوبي يل بيرمي دو فيغ سا D'accord. فوالا. اي دونك سيتي سا لو كور ديال لا ستارت اب اللي بغيت نطلع فوالا كو جو مونتي. Ça marche, après, c'est intéressant. Donc, après, quand tu me donnes tout faire, c'est vraiment واحد l'idée اللي مهمة جدا. Merci.
وما كرهناش اننا نشوفوا يعني في المغرب هكا زعما لي جون زعما يديروا دي ستارت اب في هذا لو كوتي هذا زعما فاش يدير الهيلث كير و يوزين داتا تو انا راه ما كرهتش صراحه فريمون زعما لا ستارت اب هادي بتات نطلع على فرنسا مي كو ابري que je me lance dans des collaborations في المغرب زعما vraiment j'aimerais beaucoup انا عارف بلي راه بلادنا خاصنا نفيدوها فهمتيني حيت حنايا اش كنديروا دابا كنمشيو من المغرب وكنمشيو كنتفورماو في دوطخ بيي اي ابري بزاف فينا زعما حنا بزاف الجاليه المغربيه اللي في الخارج كنبقاو في دوك دوطخ بيي شحال واحد ما كيبغيش يرجع علاش حيت كيلقى راحته كاين اللي يتزوج كاين اللي يلقى الراحه الماديه كاين اللي يلقى الراحه المعنويه كلها في وكاش ملي كتجي صعيبه الواحد يرجع للمغرب عاوتاني يقول فهمتيني كاين اللي تيقول ارجع للمغرب باش غندير تما ما غنلقاش الخدمه غنبقى بالعكس انا جو بونس فريمون كو نو اون بارتيسيپ بوكو اوتون توا كو موا ا لا فويت دي سيرفو اي كو جو بونس كا ان مومون خاصنا نفيدو بلادنا باسكو بلادنا فريمون الا بلوس بوزوان دو نو que le boulot d'un l'achna fiom d'abord. Tellement, Après, ça ne veut pas dire l'un ou l'autre. Par exemple, un abrite m'a dit mon équipe de recherche, par exemple, les khdemti m'aha ou les dach m'aha, gad, les efforts ado qui ont eu confiance en moi le premier jour pour me recruter et qui m'ont soutenu vraiment à Dnes Adoula Marada. Et donc, je veux leur rendre la balle en continuant à travailler avec eux et faire des projets plus innovants les uns que les autres. Mais j'aimerais aussi en profiter de ce savoir que j'ai acquis ici pour l'appliquer au Maroc parce que je sais que la DML à l'IF Maghreb elle vraiment elle fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont à risque d'avoir de la maladie ou magama fbaronga parce que il n'y a pas de tels outils de prévention enfin des outils aussi développés basés sur des modèles de machine learning par exemple qui vont vraiment aider à prévenir et à prévenir l'apparition de telles maladies. Après, je parle de la DMLA, mais à des modèles à dos, on peut les appliquer à toutes les maladies. Toutes les maladies. C'est ça le truc. C'est quand je parle de mon domaine, du sujet de thèse, donc, que je commence à bien maîtriser et que j'espère, alhamdoulilah, enfin, inchallah, aller plus, vraiment développer encore plus le modèle ADA et utiliser d'autres données non structurées, enfin, vraiment voilà, après c'est un autre domaine, ça c'est le domaine de la start-up et c'est pour ça que je veux faire tout ça. Ça marche, et donc tu m'as dit que tu fais quoi, Inch'Allah, et tu as avancé fait le sujet. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc d'abord, Salina, l'expérience professionnelle ou académique, d'abord nous allons parler de l'AI ou Data Science applied au public healthcare en général. Je pense que d'abord, باسكو دابا كل واحد يعني عارفين اش واقع دابا كوفيد 19 دونك جو بونس يعني سي سخا انتريسون اننا نتكلموا على ليزيبيدومولوجي دونك الا كان ممكن يعني يعطينا واحد التعريف شنو هو هاد الساينس اوف ايبيدومولوجي مثلا اوكي دونك شنو هي ليبيديمولوجي دونك ليبيديمولوجي سي اون سيونس كي فا نو دوني لي زوتي نيسيسير بور كوليكتي اي اناليزي لي بون دوني داكور دونك ديجا il faut savoir comment collecter les données quand les collecter pour pouvoir, par exemple, bien analyser l'évolution d'une épidémie dans le temps. Et donc, la science a dit qu'il y a l'épidémiologie. Je vais la résumer en trois mots. Comprendre, proposer et évaluer. Okay? Donc, comprendre, qu'est-ce qu'on veut comprendre? On veut comprendre donc, l'évolution de l'épidémie, de le COVID-19, et essayer de trouver des traitements pour agir dessus. قاعد دابا كلشي كيهضر على لي تريتمون حيت حنا دابا هاد لو فيروس هذا جديد هذا باقي ما عارفينوش فهمتيني يلاه اول مره كيبان هاد لو كوفيد 19 و اون سي با انكور فريمون اون سي با بوكو دو شوز على هاد الفيروس هذا مي دونك ولكن الفيروس هذا راه كي فوالا الي تري كونتاجيو و كيقتل بزاف د الناس فهمتيني و الى دايوغ اون بارلون دو سا J'aimerais juste faire la différence, voilà, parce que comme j'ai dit, l'épidémiologie va nous permettre d'utiliser les bons outils et les bonnes métriques. Donc, par métrique, là, par exemple, quand c'est bizarre que les gens, que ce soit le journal ou les infos ou même des articles, les articles scientifiques, que Nas, il mélange le taux de mortalité et le taux de létalité. Donc le taux de létalité c'est quoi? Donc le COVID-19, il a un taux de létalité qui varie entre 1 à 3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi toutes les personnes
qui sont atteintes du COVID-19, 1 à 3% vont mourir Mahad. Donc, le taux de létalité, c'est le nombre de décès sur le nombre de personnes infectées par la maladie. Ou un tani une série d'entrevues a dit, où tu me suis tapé sur Internet, taux de mortalité COVID-19, il est entre 1 et 3%. Alors que le taux de mortalité, ça n'a rien à voir. Le taux de mortalité, c'est le nombre de décès sur la population totale pendant un laps de temps. Ce qui n'a rien à voir avec le taux de décès sur le nombre de personnes infectées. Voilà, donc ça, c'est juste pour dire que il faut pas. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit et qu'il faut utiliser le bon. Enfin, les bons termes pour le bon, enfin, pour chaque domaine en particulier. Donc ça c'était juste pour faire un point là-dessus, parce que quand je fais les articles, et donc ça serait bien, enfin, justement, que des lecteurs puissent prendre conscience de la différence. Voilà. Après, là, par exemple, donc, le COVID-19, c'est quoi? C'est une maladie qui est due à un coronavirus. Donc, qui s'appelle SARS-CoV-2. Donc, coronavirus, c'est quoi? C'est un virus qui a vu le jour enfin, chez les animaux. Donc, Hada, par exemple, en l'occurrence, Tiégoulou, ils sont pas encore sûrs, mais que j'aime le pangolin. Et que le pangolin a été l'hôte pour que le virus puisse muter dedans pour après être transmis à l'homme. Donc, coronavirus, c'est un virus qui est transmis de l'animal à l'homme. Et donc, au head of the top, donc, c'est le SARS-CoV-2, et la maladie s'appelle le COVID-19. Donc, le COVID-19, c'est une maladie qui est due à un virus, dans ce cas, le coronavirus, parce qu'il transmet de l'animal à l'homme, et c'est le coronavirus, c'est le SARS-CoV-2, parce que des fois, quand je fais SARS-CoV-2, quand je fais coronavirus, quand je fais COVID-19, au cours qui est très lent, au cours qui est cool, comme si. Je vais vraiment juste essayer de poser les bases. Dire que hada, et après, de toute façon, on est ouvert au débat, à la discussion. D'accord, ça Voilà. Et marche. donc là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des essais cliniques randomisés qui sont faits pour essayer de trouver un traitement qui agisse de manière efficace sur ce virus-là. Okay? Donc, c'est quoi un essai clinique randomisé? Un essai clinique randomisé, c'est que. Voilà, là par exemple, il y a un essai clinique randomisé, Discovery, qui a été lancé par plusieurs pays européens, donc qui porte sur 3200 patients. Et donc, à les 3200 patients, à chaque endroit, on va créer deux groupes. Donc, un groupe qui va prendre le traitement et un groupe placebo. Donc, un groupe placebo qui va pas prendre le traitement, qui va prendre un placebo. Donc, un placebo, c'est un traitement, mais fait la substance active. Donc un traitement, il est avec du score, mais on va aider l'école, on va aider le médecin. Tiens, on va aider l'acteur. Et donc, et souvent, les essais cliniques, quand des en double aveugle. En double aveugle, ça veut dire que Nas, elle les 3200 patients, elle les retrouve à l'essai clinique à nous, elle ne sait pas si elle a le traitement ou d'avoir le placebo. Donc, l'idée, c'est un essai clinique randomisé. Un essai clinique. Donc, un essai clinique randomisé en aveugle. Et puis, un essai clinique randomisé en double aveugle, ça veut dire que ni les patients, ni le médecin ne savent qui prend quoi. Et tout ça, pourquoi? C'est pour limiter les biais. Voilà, parce que plus il y a de randomisation et moins il y a de biais dans un essai clinique. C'est pour ça que maintenant, par exemple, Ratlakamzef, des essais cliniques qui ont été faits en Chine, par exemple, par le professeur Raoult là, à Marseille, dans lesquels il n'y a pas de groupe contrôle, c'est-à-dire de groupe qui prend le placebo. Et c'est pour ça qu'ils sont très critiques en ce moment. Ils disent, OK, vous avez trouvé, enfin, par exemple, à Marseille, avec le professeur Raoult, l'hydroxychloroquine a des effets, voilà, qui sont, voilà, que l'hydroxychloroquine permet de baisser la charge virale de l'aide du virus. Là. Mais vu qu'il n'y avait pas de groupe contrôle, il est très critiqué. Comme si, moi, je suis vraiment. Les hydroxychloroquines aussi, la charge virale, enfin, il n'y a pas un groupe pour comparer l'effet des deux traitements. C'est pour ça qu'il faut toujours comparer l'effet du traitement et donc avoir un groupe contrôle. Voilà, donc ça c'est juste pour dire deux mots sur l'essai clinique. Comme ça, quand maintenant les auditeurs qui suivent l'épisode d'avant
lire ce journal, il y a eu un essai clinique randomisé pour prouver l'efficacité du traitement à l'hydroxychloroquine, il fait mou. Est-ce qu'il y aura derrière? Voilà, et puis après, donc, à les deux groupes de personnes, un petit peu dans le temps, et puis on va voir comment la charge virale va évoluer dans le temps. Donc la charge virale, c'est quoi? C'est la quantité de virus dans le sang. Mais la quantité de virus qu'elle n'a pas, la quantité de virus qu'elle a, ou alhamdoulilah, qui est dawa. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est ça. Et donc l'épidémiologie, donc le premier pas, c'était comprendre. Donc comprendre comment la maladie évolue et voir si on peut trouver des traitements qui puissent agir de manière efficace pour guérir ou bien, dans le cadre du Covid-19, réduire la charge virale, par exemple. Et pourquoi on fait ces essais cliniques randomisés? Parce que on veut trouver la cause. Ce qu'on veut dire, on veut dire que le traitement est la cause de la réduction de la charge virale. Donc ce traitement, c'est la cause de la guérison du patient. Et là, il y a deux concepts qui sont très très importants à mettre. Il faut que je le dise, c'est qu'il faut toujours différencier la causalité de la corrélation. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui confondent les deux. Donc la corrélation, par exemple, voilà, je prends juste 2 minutes pour expliquer en deux, puis après on peut passer à la suite, Inch'Allah. Oui, voilà. Donc la corrélation, c'est très utile en prédiction. En prédiction, on va avoir, voilà, donc deux variables, enfin quand plusieurs variables sont. Enfin, souvent, la corrélation permet de mieux prédire. Voilà. Il y a plusieurs modèles de prédictive, enfin plusieurs modèles de machine learning qui basent leur calcul sur les corrélations entre les différentes variables. Mais on a un exemple pour montrer la différence entre la corrélation et la causalité, et donc la différence également entre la modélisation prédictive et la modélisation explicative. C'est ce que j'avais dit quand je parlais d'IRL, donc les 2 ans que j'ai passé de labo de recherche où on essayait d'expliquer et pas forcément de prédire. Donc, par exemple, on peut trouver un exemple très bête. Porter des lunettes de soleil et corréler positivement au cancer de la peau. Voilà, plus on peut trouver cette corrélation. Plus on a des gens qui portent des lunettes de soleil, plus on a de gens qui ont le cancer de la peau. Voilà. Et ça, c'est une corrélation qui existe. Mais on imagine que voilà, que c'est pas que porter des lunettes de soleil n'est pas la cause du cancer de la peau, mais c'est parce que il y a le soleil qui joue un rôle, donc qui là pour le coup, on peut appeler ça un facteur de confusion, donc ça aussi c'est un terme épidémiologique. Donc un facteur de confusion, donc ça veut dire que le soleil, il va jouer sur le port des lunettes de soleil, mais également il va jouer sur le cancer de la peau. À l'âge, parce que sauf qu'il y a une chance, on a لابس لي لونيت دو سولي كنمشي للبحر كانت برونزا كنبقى نتبرونزا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى الله يحفظ كي يقدر يبان كونسون دو لابو دونك سو ني با لي لونيت لو بور دي لونيت دو سولي كي كوز لو كونسون دو لابو مي سي لو سولي كي كوز لو كونسون دو لابو مي لو بور دي لونيت دو سولي اي كوريلي او كونسون دو لابو سي با سي جي ايتي كلير Oui, là-dessus. exactement. Ouais. Voilà. Après, il Mais y a c'est la causalité. Donc voilà, donc la causalité, c'est autre chose. La causalité, c'est que on veut dire que le traitement cause la guérison. D'accord? Et c'est pour ça, et la manière la plus rigoureuse pour mettre en place et pour mettre en évidence le traitement qui cause la maladie, c'est de passer par un essai clinique randomisé. D'accord? Donc vraiment, il ne faut pas confondre les deux. Il faut surtout pas confondre les deux. d'accord, Voilà ça donc. marche. D'accord, donc Donc en ça, score. c'était pour dire quelques mots. وي تماما يعني خص الواحد يعرف يعني التعريف ديال هاد المصطلحات هادو حيت كنسمعهم بزاف دابا في الاخبار فهمتي دونك Exactement. الواحد احسن يعرف هاد الشيء فهمتي مزيان يا اخي دونك جو بونس بركه انا من كوفيد 19 جو بونس كل واحد دابا كيسمع كيتفرج في الاخبار كاينين بزاف ديال الفيديوهات اونلاين كيشرحوا شنو هو Ça كوفيد 19 كومون سو بروتيجي وداك الشيء المهم حنا كندعوا الجميع انهم يبقاو في ديورهم في هاد va. الكونفينمون فهمتي خص À الواحد vraiment يعرف rester confiné. وي دونك اخي حنا نتكلموا دابا على يعني الداتا ساينس ابلايد في البابليك هيلث كير ان جنرال تكلمنا مثلا على دوتر كاد يوزاج دوتر بروبليماتيك اللي كاينين دابا Data science في public health، بان
كاينين كاع لي بروبليماتيك اللي بغيتي. باسكو فريمون لا سانتي بوبليك سي تري تري فاست. Là, par exemple, en ce moment, dans les dernières décennies, là d'ailleurs, avec toutes les performances et tous les avancements qui ont été faits côté informatique, par exemple, côté puissance de calcul, et puis côté évolution des machines, maintenant on a des machines, par exemple, qui peuvent séquencer tout le génome humain. Ça veut dire que KGB le Word qui a le détail de gars le génome de qu'est-ce fait toutes les mutations cool. Donc ça veut dire que là on parle de millions de variables par exemple par individu, tu vois, et donc là ça veut dire qu'on va se retrouver dans des problématiques de grande dimension, tu vois, et ou tirer la génétique à des par exemple gars, donc les données mobiles de santé par exemple, les consignes mHealth par exemple, la smartwatch avec l'intérieur. هذيك اللي دابا كاع الناس لابسينها انت كتكون ناسيه اي تنغوجيستر طون سومي واش نعستي مزيان واش حلمتي واش فقتي واش كتكون كتجري كتقول لك اودي عندك دابا راك لو ريتم كاردياك طالع نقص شويه من الجراك فهمتيني شاد عليك الحساب ديال كل شيء وكاع هذوك لي زانفورماسيون هذوك il faut pouvoir les mettre en valeur, زعما pouvoir en tirer quelque chose. Voilà. Et donc ça veut dire que là on est confronté à une très très grande masse de données qui est générée tout le temps, et avec des données structurées, des données non structurées, par exemple les imageries, l'imagerie médicale, le texte par exemple avec le natural language processing, voilà, qu'on peut traiter avec le NLP, qu'il y a bzaf des sources de données actuellement, et on cherche encore les bons algorithmes pour essayer de en tirer profit. Voilà. Et donc là, par exemple, on a fait des startups d'Yali, justement, Britain, par exemple, fait le modèle de prédiction, Britain Z fait l'analyse des images du fond de l'œil, parce que je suis un ophtalmologiste, et tu écoutes que il y a la lunette a dit, et au milieu il y a le point où on a le bouton ou là le point bénéc mais je regarde quoi l'image du fond de l'œil, voilà, et ça existe en ce moment et j'aimerais l'intégrer aussi à mon modèle, donc utiliser des réseaux de neurones convolutionnels, donc CNNs, convolutional neural networks, pour analyser de telles images et pour automatiser le grading, justement, enfin pour automatiser avec l'analyse des images ophtalmiques, et puis après par exemple aussi utiliser le texte, voilà, comme j'ai dit, demain tu vas chez un tréb, tu vas chez un qui délègue l'ordonnance, et après ni quatre jours ne s'arrête ou l'autre dame qui a marché dans ses médicaments, tu sais qu'il fait, il écrit ses remarques, voilà, tu écoutes les cas au début les rats, voilà, c'est ça, j'ai avec de tels symptômes, je pense que elle l'y fait, donc je lui ai prescrit ça, ou peut-être j'ai un dos après un bout de temps qui a ou des cahiers de choses, gars, donc les notes du médecin, elles sont pas utilisées de nos jours. Ouais. Elles ne sont pas utilisées, alors qu'on pourrait les traiter par le NLP, les intégrer à des modèles de prédiction et gagner en capacité prédictive. Tu vois? Ouais. Et donc d'accord. Tout ça, ce sont des spatial cognition. Là, par exemple, le COVID-19, les gens ont des problèmes respiratoires, donc le portable fait le micro, il y a des applications qui mettent le portable force, et le portable va enregistrer la façon à laquelle avec laquelle tu respires, et ça c'est une donnée, la donnée a dit pareil, tu peux l'analyser également et l'intégrer au modèle de prédiction. Donc t'imagines, donc imagine tout ce qu'on peut faire avec ces algorithmes de machine learning pour justement mieux prédire et mettre en place des modèles de prédiction qui soient vraiment efficaces et qui aient des résultats probants dans le domaine de la santé publique. Et ça pour le moment c'est pas encore là parce qu'il y a beaucoup de limitations quand même, mais bon.
وغنتكلموا على هذه القضيه هذه. دونك دابا تكلمنا على شنو هما يعني لي فيوتشر اوبورتونيتي اللي كيبانوا لك، وشنو هما التشالنجز اللي كيبانوا لك في يعني في الاي اي ابلاي تو ذا بوبليك هيلث. Ouais, c'est ça. Ben justement, enfin, les opportunités humaines, c'est la grande quantité de données qu'on génère quotidiennement et qu'on peut utiliser justement pour améliorer la vie de tout un chacun dans les années à venir. Après, il y a beaucoup de challenges. Le premier challenge, bah, auquel on est confronté directement, voilà la confidentialité des données médicales. Parce que souvent, une fois qu'elle retrace les données médicales, tu es confronté à plusieurs barrières. Elle lâche parce que c'est très sensible. Et que maintenant, on commence à se rendre compte que même si on les anonymise à des données ado, on pourrait, avec des techniques maintenant, essayer de remonter à la vraie identité du patient. Et ça, c'est très, très dangereux. Donc, parce qu'il y a un côté éthique qui est très, très présent dans le domaine médical. Et donc, il faut quand même prendre ça en compte. Et donc, ça reste difficile d'avoir accès à de telles données. Alhamdoulilah, j'ai l'opportunité d'y avoir accès de par mon labo de recherche. On travaille beaucoup avec des cliniciens. Et donc, ils nous donnent leurs données pour qu'on puisse justement les aider à les analyser et à en sortir avec des conclusions. Mais ça reste quand même très très compliqué pour le commun des data scientists de pouvoir avoir accès à de telles données. Donc ça, c'est un premier challenge, ou plutôt une première limite. Et puis après, la deuxième, c'est d'avoir des modèles interprétables. Voilà. Il faut, en médecine, et surtout en médecine, on ne peut pas. Enfin, déjà, je l'ai expérimenté à la balise. C'est qu'au début, quand je suis arrivé au labo de recherche, je faisais des modèles trop compliqués. À l'âge, parce que ou quelque part, j'ai appris beaucoup de choses, des modèles très complexes, ou quand j'ai des bons résultats. Et que je présente mes résultats au médecin, pourquoi? Alors, tu trouves ce résultat-là. Tu dis, là, tu as un réseau de neurones, des réseaux de neurones, à t'en des résultats. Tu dis, alors, le facteur de risque, il impacte le modèle de telle sorte à avoir cette prédiction-là. Et ça, c'est très, très difficile à faire avec les réseaux de neurones. Donc c'est pour ça que moi, dans ma thèse, j'ai pas fait de réseau de neurones. J'ai fait donc des modèles qui peuvent maintenir de l'interprétabilité et qui sont un peu transparents à l'âge, parce que en médecine, et ça c'est un message, je pense que ce sera le message le plus important de la podcast, en tout cas fait d'épisode, c'est que vaut mieux avoir un modèle qui prédit moins bien mais qui soit interprétable et qu'on comprenne vraiment ce qui se passe dedans, qu'un modèle qui prédit très bien, mais que ce soit une boîte noire. Mais que ce soit une boîte noire. Donc c'est vraiment, et moi c'est vraiment ce que j'ai appris de la thèse d'Adi. Des fois, des modèles plus simples peuvent donner des bons résultats. Et peut-être ce ne sont pas les meilleurs résultats qu'on pourrait avoir, mais des fois des bons résultats suffisent à condition qu'on sache les interpréter. Exactement. Voilà, ça serait vraiment ça le message que j'aimerais transmettre, en tout cas à partir de la dead challenge à l'AI, la santé publique. D'accord, ça marche. Donc d'abord, je pense que nous allons parler à la chouette qui va commencer dans le domaine de la data science في لا سونتي بوبليك. كيفاش الواحد يقد يبدا مثلا في نظرك؟ واش ضروري خص يدير ان ماستر ولا دكتوراه ولا جيست ابارتيغ دي كورس ولا Donc كيفاش؟ déjà, là, je vais dire un truc. Il n'y a pas besoin de faire un doctorat pour être bon en data science, ni en épidémiologie d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de faire un doctorat. Il y a besoin de beaucoup de passion. Il faut être passionné. Ça, c'est sûr, parce que sans la passion, ça sert à rien en fait de se lancer dedans, parce que ce sont des domaines, autant l'un que l'autre, donc l'épidémiologie que la data science, qui sont très demandeurs en temps et en énergie. Et donc, l'ouartra sous vraiment, voilà. Ça, c'est une passion,
اللي الواحد كتجي فهمتيني، سواء كطيح في هذا الدومين هذا وكيعجبك وكتولي باسيوني ابخي كتولي باغي فريمون تمشي فيه بعيد، ولا كتجي من بلاصه اخرى، مي ان توكا يفوا يت باسيوني. ابخي جو باغلي دي دو دومين سيباريمون ان دو لوتر، اي بي ابخي جو في لي جواندر بيتيتر. La data science, souvent, ce que je dis, c'est que ça sert à rien de faire la data science si on comprend rien aux statistiques. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste essayer de lancer des modèles et puis ils vont voir que ça marche bien. Ouais, Goulou, c'est bon, je sais faire de la data science. Non. La data science, il faut quand même prendre le temps de comprendre quand même quelques bases. L'algèbre linéaire, par exemple, la probabilité, le calcul numérique. Et ça, c'est l'optimisation. Voilà. Donc ça, ce sont les quatre piliers pour moi de la data science. Et d'ailleurs, j'ai des références pour ça que je pourrais vous donner, voilà, que je pourrais jamais te laisser. Et tu les mets avec le podcast ADA en référence sur le site internet. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà. Donc pour aller dans la data science, pour moi vraiment le meilleur moyen, bah, je dois dire ou qu'il fasse de belles choses dedans. Il faut essayer d'avoir un minimum de bagage mathématique derrière. Après, pour l'épidémiologie, pour l'épidémiologie, c'est que de n'importe quel domaine. Anna, par exemple, des gens qui ont fait épidémiologie alors qu'ils ont fait une licence de la psychologie, par exemple. Ils ont fait une licence en psychologie et après, le master, ils ont fait l'épidémiologie. Parce que souvent, quand il y a une première année, donc le master qui est un tronc commun, c'est une année donc, de remise à niveau et dans laquelle donc, on va introduire bien sûr les principaux concepts épidémiologiques, mais également beaucoup de notions de statistiques. Et puis après, le M2, là pour le coup, on va encore aller plus dans les statistiques un peu plus avancées. Mais quand même, ce qui vient pour l'épidémiologie, c'est qu'on peut y aller de n'importe quel domaine, parce que MFH, des statistiques très très poussées. Voilà. On peut être très bon en épidémiologie sans savoir faire des réseaux de neurones, par exemple. Okay? Et moi, dans mon labo, je pense qu'il y a très peu de gens qui savent faire des réseaux de neurones, et pourtant, ce sont des épidémiologistes de renommée internationale. Parce qu'il y a aussi, avec l'esprit de l'analyse et de la collaboration. En fait, la recherche, c'est tout un domaine. Mais en tout cas, voilà. Donc pour ne pas m'éparpiller, pour faire la data science, il vaut mieux avoir un bagage et un background en maths. Pour faire l'épidémio, on peut venir de plusieurs filières, donc des filières sociales, par exemple. Et après, pour le coup, il va falloir quand même apprendre un peu de statistiques, parce qu'en épidémio, il y a beaucoup de statistiques, mais ce n'est pas forcément des modèles statistiques très complexes. Et c'est pas avec des modèles statistiques très complexes qu'on a d'ailleurs les meilleurs résultats. Non, on peut avoir des très bons résultats avec une régression linéaire ou logistique et qui permettent de faire beaucoup de et qui permettront de faire beaucoup avancer la science dans le domaine de la santé. D'accord. Ça marche. Donc, Khaled, tu as demandé des recommandations, des livres ou des cours en ligne, de côté. Okay. Donc, côté recommandation, ce que je vais dire, c'est que qu'il y a des livres, mais faut pas se focaliser sur les livres tout seul. Bon, déjà, en termes de livres, pour la data science, il y a deux livres. C'est grâce à ces deux livres-là que j'ai adoré la data science et que j'en suis fan maintenant. Il y a le premier qui s'appelle Introduction to Statistical Learning. Voilà, qui est très très connu et c'est un livre en or. Alors celui-là, franchement, tous les gens, et vraiment tous les gens qui veulent se mettre à la data science, je les encourage fortement à commencer par ce livre-là. C'est un livre, il ne faut pas avoir un grand bagage en maths. Voilà, il a avec le bagage le bac, vraiment, tu fais moi de livre-là. Là, je suis un petit peu avec le livre-là, il n'est pas forcément fait pour des data scientists, mais fait pour des gens qui veulent s'initier à la data science. Et donc c'est bien de pas avec des équations qui font trois lignes. Là, le livre là, les gens vont avoir l'intuition derrière les méthodes qui sont implémentées.
Et moi, vraiment, enfin, ça m'a aidé justement, parce que quand tu as l'intuition, après, c'est plus simple de comprendre la formule mathématique qu'il y a derrière. D'accord. Voilà. Après, les gens qui veulent, pour le coup, rentrer dans la data science, eux, pour le coup, je leur conseille Elements of Statistical Learning. Donc ça, la base de machine learning pour moi et la data science. Vraiment, deux livres, Elements of Statistical Learning, de Chip Shirani et Hastie. C'est un livre qui fait cool. Vraiment, ils ont tout abordé et c'est très bon. Enfin, vraiment, très très bon livre. Ça marche. Voilà. Et après, juste deux livres assez rapidement. Il y a Hands-on Machine Learning with Scikit-learn and TensorFlow, d'Aurélien Gérond. Ça, c'est un bon livre pour le coup. Là, pour le coup, c'est le machine learning. Là, pour le coup, on n'est plus dans le machine learning, dans les réseaux de neurones, dans Python. Donc voilà. Enfin, là, c'est bien. Là, c'est bien pour les gens qui veulent mettre en pratique. Voilà. Et après, pour l'épidémiologie, il y a deux livres que j'aimerais recommander. Statistique épidémiologie, de Thierry Ancel. Ça, c'est un bon livre pour avoir les concepts de base de l'épidémiologie. Et comprendre et utiliser les statistiques dans les sciences de la vie. Elle a dit le Bruno Falissard. C'est une mine d'or, le livre. Après, D'accord. il y a YouTube. YouTube est ton meilleur ami. Ouais. Elle a vraiment flatteuse. On a une flatteuse, je pense que. Goulchi, si c'est une femme, voir si c'est une femme, elle dit que c'est la même chose, c'est la même chose sur YouTube. Ouais. Elle a, YouTube, tu as tout. Tiens, un des max qu'un par exemple, qu'un type le nom d'un domaine, par exemple algèbre linéaire, ou après je mettais le nom d'une grande université, MIT, Harvard, Princeton, Yale, une grande université. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à l'algèbre linéaire, parce que je disais que c'était la base du machine learning pour moi en tout cas, il y a le cours de Gilbert Strong, Linear Algebra, MIT. Voilà, donc là, c'est le meilleur cours d'algèbre linéaire que j'ai jamais vu de ma vie. D'accord. Mais vraiment, le cours meilleur, et le cours de machine learning, le professeur de Caltech, l'ismito Yasser Abou Mustafa. D'accord. Voilà, vraiment, les références, ce sont vraiment les meilleures références que j'ai trouvées pendant mon doctorat et qui D'accord. m'ont vraiment aidé à comprendre beaucoup de choses au domaine du machine learning et de l'épidémiologie. D'accord, ça marche. Et donc, ça l'a mentionné au gars les ressources dans le poste les Merci tables. beaucoup, Khaled. Donc, libre et toi, c'est avec finir qu'à Sofiane. انا Nekdin. موجود انا موجود اللي بغيت تواصل معايا يلقاني في لينكدين، دونك لينكدين سفيان اجانا، D'accord. يلقاني في تويتر، دونك تويتر باغي ات سفيان اجانا وتلقاني بار ادريس ميل، دونك اجانا.سوفيان @hotmail.com. D'accord. Et après voilà, vraiment انا je suis ouvert à toutes les personnes qui veulent s'initier à la data science, qui veut s'initier à l'épidémiologie, qui ont des problématiques en data science qui sont liées au domaine de la santé, mais qui n'arrivent pas à avoir avec le recul clinique et épidémiologique pour pouvoir faire par exemple data engineering, pour pouvoir se poser les bonnes questions, parce que la principale, enfin vraiment le principe le plus important avant de commencer n'importe quel projet de data science, c'est de poser la bonne question. C'est de poser la bonne question. Ou alors, on va dire qu'il y a une chose dernière, Oui, Khaled. côté question, parce qu'il y a une science qui s'appelle la questiologie. Et quand on se voulait Einstein, si on te donne 1 heure, et que tu as 1 heure pour répondre à une certaine problématique, pour rester. Pour rester en vie. Voilà, en gros, t'as une problématique. Si tu réponds bien, tu restes en vie. Si tu réponds pas bien, tu meurs. Galéhom, je prendrai 55 minutes pour trouver la bonne question à me poser et 5 minutes pour y répondre. Voilà, D'accord. donc ça serait, je pense, mon dernier mot
par rapport à la question de D'accord. l'architecture en data science. Je trouve que c'est vraiment très très pertinent ce qu'il a fait. Et je pense Oui, qu'Einstein, c'est une bonne référence quand oui, tout à fait, d'accord, اخي. Donc, bon, كنت غادي نقول لك يعني تفضل قلنا شي كلمة أخيرة، مي تقد زدنا شي كلمة أخيرة. نزيد كلمة أخيرة سيدي، سير اخي، ولكن غنزيد كلمة واحدة هي اللي غنزيدك، سير سيدي. كلمة واحدة ابدأ. Vraiment, vraiment, فهمتيني. الواحد d'ailleurs c'est de là que vient le terme startup, tu vois. Vraiment, ibda alash, parce que on peut tous réussir ce qu'on veut faire dans la vie. Vraiment, quand on a un objectif, il faut, on peut en parler pendant très longtemps. On a, par exemple, la startup a dit, j'en parle depuis 3 ans, comme quand même dans la thèse. Je me dis, je veux faire une startup, je veux faire une startup. Voilà, Kindab, je me suis dit, bon, le Covid-19, le strana confinement, ah, ouais, le moment. Comme tiens, ce qui fait d'abord, j'écris les projets pour répondre aux appels à projets pour avancer, Inch'Allah, le plus tôt possible d'ici la rentrée, Inch'Allah. Mais vraiment, et il n'est jamais trop tard pour se lancer dans un domaine et dans un métier qui nous passionne. D'ailleurs, en thèse, j'avais un collègue, donc un doctorant, quand il y a un 75 ans. 75 ans, ou peut-être doctorat, il y a 75 ans. Donc, très bien. Pour moi, c'est un exemple. Hadashi Wahd, il n'a jamais baissé les bras. Voilà, 75 ans, ça a fini le doctorat. Ça se voyait que c'était un objectif dans sa vie, c'était un objectif ultime qu'il voulait atteindre. Quand il est doctorat dans le domaine qui le passionne, et il l'a fait, et il a soutenu avec moi, et il est très heureux. Ça Où j'ai eu ses enfants, ses petits-enfants, la cérémonie, au cool, c'est qu'un farham. Et vraiment, voilà, c'est ça. Quel que soit votre rêve, faites tout pour le réaliser. Parce que, comme Confucius l'a dit, et Confucius en a dit, un démon, il dit, si tu fais un travail qui te passionne, tu ne travailleras pas un jour de ta vie. tout à fait, Voilà. Et ça, je pense que ça résume tout. اكزاكتومون اخي. دونك خويا سفيان، كنشكرك على كاع هاد المعلومات القيمة اللي شاركتي معنا اليوم، صافي ميرسي فريمون بوكو بليزير. حسن. دونك اخي، نتلاقى معاك ان شاء الله في شي مناسبة اخرى مستقبلا. Avec très grand plaisir, et encore vraiment félicitations pour l'initiative الله يرضى. que vous avez lancée. C'est grâce à des gens comme vous qu'Inch'Allah, le Maghreb va aller de plus en plus loin. C'est grâce à des initiatives comme ça et à des gens qui font, qui, enfin, qui essaient de transmettre leur passion aux autres personnes pour que. نستافدو لي زان دي زوتر ان شاء الله كانت من التوفيق لكاع الناس اللي بغاو يتلونسو كسو في لا داتا ساينس ولا في الابيديميولوجي ولا في نابورت كيل دومين ا بارتير دو مومون كو فو زيمي سكو فو فيت سي كو فو افي ريوسي فوتر في بور موا ان تو كا تماما يا أخي، كنشكرك عاوتاني وصافي بليزير أخويا. ميرسي بوكو يا صالح صافي يلا أخويا، تلا في راسك. ميرسي سلام اذا خوتي خواتاتي والمراكن ديال اوتوزاست داو دير، كنشكركم على الاستماع ديالكم لهذه الحلقه هذه، وكذلك كنعاود نشكر الاخ سفيان اجانا على الحضور ديالو معنا في البرنامج. دونك اخوتي، ما تنساوش انكم تسبسكرايبوا عندنا في لاشين في اليوتيوب، تابعونا في سبوتيفاي او في ساوند كلاود، او لا تايكي ولا باج ديالنا في فيسبوك. واذا كان عندكم شي اقتراحات ولا شي تعليق، صيفطوهم لنا في contact@datamaroc.com. يلا اخوتي، نتلاقى معكم ان شاء الله في حلقه جايه من البرنامج ديالكم داتا ماروك بودكاست. تشاو.